mes petits choux, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui alors qu'il ne devait pas du tout avoir de cours car je rentre en période d'examen, mais je prends un peu de mon temps libre pour m'occuper de vous. Je n'ai pas eu cours ce matin, du coup je fais ça rapidement mais sûrement, et je suis en... Aujourd'hui c'est fandom Harry Potter. Enfin bref, aujourd'hui pour ce sixième cours je crois, oui, six, je ne sais plus, faudra que je vérifie, je me dirai, on va voir les couleurs. Les couleurs c'est assez simple, on va voir les principales, c'est-à-dire pas les nuancées totales de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire bleu, anthracite, rouge, magenta, tout ça. On va voir bleu, violet, bleu foncé, bleu clair. Les couleurs simples. Et puis voilà. Il y aura bien un cours la semaine prochaine, normalement. Si je dis pas de bêtises. Et normalement, je devrais commencer une autre revue qui serait une présentation un peu des groupes de K-pop. Par exemple, si je prends BTS, comme totalement voilà, j'expliquerai qui sont les membres, combien ils sont, leur personnalité à eux. Quand est-ce qu'ils ont débuté, avec quelle musique, comment ils en sont arrivés là maintenant. Mais je vais surtout faire ça avec les rookies, c'est-à-dire avec les groupes qui viennent tout juste de commencer, comme The Boys ou iZone, qui a commencé il n'y a pas très longtemps et que j'adore. Et du coup, voilà. Bon, au boulot, c'est parti! En tout, nous allons voir 11 couleurs. Les deux premières sont le blanc, qui va se dire Ayang, et le jaune, qui va se dire Nolang. Les deux prochaines couleurs sont le orange et le rose. Le orange va se prononcer Juang, et le rose va se prononcer Benhang. Les deux prochaines sont le rouge et le violet. Le rouge va se dire Palgang et le violet va se dire Bola. Les deux prochaines couleurs sont le bleu et le vert. Le bleu va se dire Palang et le vert va se dire Cholog. Les deux prochaines sont le marron et le gris. Le marron va se dire Galseg et le gris va se dire Oui, Seg. Et pour finir, la dernière couleur, le noir, va se prononcer Gongjong. Le mot couleur, en général, pour désigner toutes les couleurs, va se dire Seg. Pour désigner, par exemple, du vert, du rouge, on va avoir tendance à prendre le mot comme rouge, Palgang, et de rajouter Seg à la fin. Pour préciser qu'on parle bien de la couleur rouge, Palgangsek. Ce cours est déjà fini. Je crois qu'il a été très très rapide. Il n'y a pas grand chose à dire sur les couleurs, juste les retenir. Sur ce, le cours de la semaine prochaine, petit spoiler, sera sur les émotions. Comment dire, je suis triste, je suis énervée, je suis heureux, je suis fatiguée. Tout ça. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser en commentaire si vous voulez un thème particulier. Que ce soit les vêtements, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les métiers, les sports. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner pour savoir quand sortira la prochaine vidéo. Sur ce, on se retrouve lundi prochain à 10h. Des bisous mes choux. C'est parti.
Les deux premières couleurs sont le blanc Yayong. Non. Ayong. Oui. Ayong. Oui. Non. Ayong avec un A. Alors, il faut faire attention de ne pas confondre. De ne pas confondre rouge qui va se dire Pagang et bleu qui va se dire Palang. Ça a l'air d'être différent, mais on peut très très vite s'embrouiller l'esprit entre les deux, hein. Et puis voilà, voilà. Puis je me rends compte que sur le marron et le gris, il y a déjà le seg derrière qui prouve que c'est une couleur. C'est-à-dire que marron va se dire gal, et le seg derrière dit qu'on parle de la couleur marron. Pareil pour le gris, où c'est oui. Et on a rajouté seg pour parler de la couleur grise. Les couleurs sont composées. Non, elles sont pas composées. Je vais juste parler de 11 couleurs primaires. Ah, j'ai joué. Hop, Gryffondor, tu tombes 30 secondes. Excuse-moi, Tichou. Voilà. Non, je vais vous présenter 11 couleurs. Il n'y a pas 11 couleurs, il y en a bien, bien, bien plus. Je voulais vous parler aussi d'un petit truc qui m'a vraiment surprise à un point, mais vraiment extraordinaire. C'est que ma première vidéo sur les bases du coréen, le bonjour, le merci, tout ça, a dépassé les 100 vues il y a 2-3 jours. C'est quelque chose d'incroyable. Ça peut paraître absolument rien pour vous en fait. Vous dites 100 vues par rapport aux autres youtubeurs comme McFly et Carlito, Amixem, Squeezie, tout ça, c'est absolument rien. Mais pour des petits youtubeurs en fait qui débutent, 100 personnes qui voient leurs vidéos, c'est vraiment énorme. On se rend pas compte en fait. Comme quoi 100 personnes et regarder votre vidéo, c'est... C'est dingue en fait, j'ai encore du mal à m'en rendre compte des fois, mais ça va vraiment vite. Comme quoi j'ai posté ma vidéo, on est mardi matin, hier matin ma vidéo est sortie à 10h, et en à peine une journée il y a déjà 14 personnes qui l'ont vue. Pour vous vraiment, je sais que ça veut absolument rien dire, mais vraiment c'est waouh. C'est pour ça que je tenais à vous faire un petit mot comme ça, pour vous dire vraiment merci. Que ce soit ici sur YouTube. Je suis rédactrice bénévole aussi pour l'application Mocha Story, où je fais des cours écrits en fait, où je ne les fais pas comme ça avec les prononciations. Et je fais des quiz aussi. Donc si vous voulez checker, je vous mets la photo de Mocha Story avec 2-3 images de quiz et de cours. Et surtout, merci d'être là. C'est que le début de l'aventure et j'espère que vous serez là jusqu'au bout. Mais vraiment, merci. Comme ça, Mira.